escrobaladé, menacé, il aurait interdiction de revenir dans son quartier, qui est le parc Olièvre. Bassem qui s'est fait frapper lorsqu'il est venu à Paris, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer cette vidéo par la news sur Kobalade. Attention, tout ce que je vais vous dire et vous présenter, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est pas sûr à 100%. Il y a Kunta Kinte qui a dévoilé plusieurs screens, Kobalade a séquestré, tabassé et crevé l'œil de son manager de Spi après qu'il ait soupçonné celui-ci de mal répartir les parts détenues par le label Grinta Records. Effectivement, il a commencé à soupçonner son manager de manigancer d'étranges magouilles lorsque ce dernier semblait posséder une étonnante fortune et devenait subitement propriétaire de plus en plus de biens, notamment véhicules et logements. L'artiste lui-même se trouvait dans une situation compliquée au point de ne plus être en mesure de subvenir aux besoins primaires de sa famille. De ce que je sais, De Spi a été torturé plusieurs jours avant d'être enfin pris en charge par la police et transféré en urgence dans un hôpital du nord parisien, où il y perdra son œil. C'est en partie Koba lui-même, pris de haine, qui a torturé son manager. Ils l'ont littéralement laissé crever dans un garage du 7-8 après être revenu de chaud chez nos voisins belges. Koba est interdit au parc Olièvre depuis ses agissements. Pour ça que tu ne le vois plus dans Evry. Cherche-le également dans les abonnements de ses compagnons Chotas, etc. Dis-moi si tu le trouves, l'ami. Je pense d'ailleurs pas que tu reverras une story de De Spi d'aussitôt. Et en début de semaine, il y a un internaute qui a posté ce tweet, Koba qui fait semblant de s'enjailler sur un son de Chotas juste parce qu'ils viennent du même bâtiment. Et il y a Chotas qui a réagi en story. Il a tagué Koba, t'es un vrai comédien, voilà tu me fais rire. Puis il a mis une autre story où on voit que Koba l'a bloqué sur Insta. Chotas dit, c'est quoi, t'as peur de la vérité, on dévoile tout ou tu t'éteins, dis-moi le son. Koba n'a pas réagi directement aux commentaires de Chotas, mais il a posté cette story qui dit « Dans tes potes, fais bien ton tri car même dans ton tri, il y a des traîtres. » Maintenant passons à la news sur Bassem. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu la vidéo où Bassem se fait frapper lorsqu'il est venu à Paris. Il était entêté sur Twitter et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui veulent la voir, vous avez juste à vous rendre sur Twitter sur le compte de Marcus Dia TV. Il a mis comme tweet « Bassem se fait corriger par un Parisien. Le chef de la team, Ashlib, joue la grande gueule en se cachant derrière un des membres de sa team, mais se mange une gauche venue de l'espace. On peut observer que ses potes se chient dessus. » Et il y a Booba qui a réagi en partageant la vidéo et en disant « Ici, c'est Paris. » Il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé, qui étaient contents, et d'autres qui ont défendu Bassem en disant que c'est à cause de sa situation judiciaire qu'il n'a pas réagi. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Bassem, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces deux news que je vous ai présentées sur Kobalade qui est interdit de revenir dans son quartier et qui en embrouille avec Chotas, et puis l'affaire avec son manager, ce qui est arrivé à Bassem lorsqu'il est monté sur Paris. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Coming at your door, you're stuck.